ligne pour l'Antibois. Se présente maintenant Alexandre Neymov, vice-champion olympique au concours général, qui lui aussi a beaucoup d'ambition dans ce championnat du monde. Toujours barré par Tcherbo. Neymov est capable de nous étonner. En tous les cas, au sol, il exécute là l'une des plus belles évolutions attendues dans ce mondial. Les grands Thomas, les grands cercles, comme Cheval d'Arçon, dans cette évolution d'une souplesse remarquable. Belle détente, Neymov. Beau gymnaste. Belle ligne. C'est son meilleur agrès et il arrive à faire la différence avec les autres par la précision et la netteté de tout ce qu'il exécute. Notamment, on a pu voir les réceptions parfaitement stabilisées ici, double carpé. Voilà. C'est parfait. C'est le seul petit dixième à enlever de cet exercice qui va vraisemblablement aller chatouiller les 9,70. Les choses sont claires. Neymov fait une entrée remarquée au sol. Karbanenko, le français, fait une entrée remarquable au saut. Et Ivankov, le Bélarusse, fait une entrée fracassante à la barre fixe. Sans oublier le chinois Zhang,